from it. Confrontation, hein? Bonjour, bonjour. On a regardé le rocot à Tina Kat, c'est ce que Simba. Merci. Nga penza on dirait moi musana bino. Bon, moi je reste pas parce que j'ai pas dormi. Je vais aller dormir un peu. Je reviens après. Regardez, j'ai des yeux qui sont enflés grave. Attendez. La robe, on est au canon. Où est ta biche? Vous m'aviez donné la peur de ma vie hier. Bon, à tantôt, bonne chance à vous. Là, c'est Eliane. Hein? Donc, Bamati. Hein? Moulouba, bonne chance à vous. Je pars dormir un peu, j'arrive. Ok. Pour animer. Ah, nasa journaliste. Donc, comme vous venez de le voir, donc, Eliane est arrivée, elle est entrée au palais de la justice. Oh, bazo et puis Sabine, elles ont le couteau moni. Toi et puis Sabine, que live est live. Entre ce que les gens disent et la réalité, l'image parle d'elle-même. Mais elle l'aime tellement. Je pars dormir. Non, là, Ramouki, elle est où, mais là? C'est pas 15 heures. Donc partagez déjà, partagez. Si vous partagez, c'est na Kati live. Il y a un moment où on peut être. Oh Seigneur. Na qui est là, là, là. Donc, Eliane vient d'arriver. Tension, elles ont matin à Kinshasa. Eliane vient d'arriver. Eliane a des preuves irréfutables que nous avons tous, les avocats, et moi-même qui suis porté volontaire. Afin d'être sa voix. Hein? Afin d'être sa voix. Donc, Ezabongo. Donc, c'est sans commentaire. C'est sans commentaire qu'on pouvait voir. Bopé Sangaba Cœur, partagez dans les groupes. Partagez sur vos pages. Donc, Oeza, procès du siècle. Et là, j'interpelle encore le pasteur Moïse. Er yango yo okangavan. Makambo solongwe parqué. Que tribunal, ça sera chaud. Bisous, tu as besoin de ton téléphone, ma caméra, tout ça, ma vue. Problème, c'est que ça a caillou, mon. Donc, ouf! Toi, problème, tu as besoin de ton sac à ma vue, Nabiso. Hein? Ton sac à ma vue. Problème, mes atteints. Alors, moi, je dis, il est temps. T'es pardonné là, quand mon pied, j'ai très mal à la tête. Je ne supporte pas. Bon, regarde, quand t'as dit qu'on a. Attends-moi, mon pied, caca, je reviens. Donc.
la camouquée. Je reviens, sinon je suis vraiment, je me sens pas bien. On m'appelle là, je pars, je ferme, j'éteins tous mes téléphones. Nalali moukié, et puis je reviens. Donc soyez branchés. Soyez branchés, c'est ici que ça se passe. Nous, on ne parle pas, ce sont les images. On vous a dit qu'il n'y avait rien, c'est faux aujourd'hui. Il y a confrontation. Donc, il y a confrontation avant que ça n'aille au tribunal. Donc, depuis les USA, je vous salue. Où que vous soyez, Congolais, les Ivoiriens, les Ivoiriens aussi, ils m'écrivent. Mais maman, pourquoi vous parlez trop dans votre langue? Parce que la langue, ça fait du bien. C'est comme quand vous dites Kouma Kouma, Marmaï. Donc, ça fait du bien. Donc, ça commence maintenant dans quelques minutes. Hein, ça commence maintenant. Ça commence maintenant dans quelques minutes. Non, elle n'a pas arrêté. D'ailleurs, elle sale Christian, et puis qu'elle sale bien. Christian, félicitations, et puis qu'on s'en mobile. Dès qu'on récupère 6 mois, ça montre que toi, tu avais des choses à cacher. Et puis, tout ce qu'on a donné, vous avez vu que la carte d'identité. Et le permis de conduire d'Eliane est en train de circuler. Les conversations d'Eliane avec les gens sont en train de circuler. Nous avons déjà tiré la sonnette d'alarme. Depuis hier, Eliane n'a plus son numéro. Ce numéro a été récupéré par Christian au niveau de RTL. Et là, on a amené quelques experts afin d'expliquer à l'AG ce qui s'est passé. Et là, je vais faire ce qu'il y a à faire afin que qu'on puisse établir les responsabilités sur cette histoire de la carte SIM. Je rappelle que la carte SIM, parce que pourquoi Hélène a une SIM achetée par Christian? Parce que Christian avait découpé sa première carte SIM et il lui a donné cette carte SIM qu'il a dû récupérer. Pendant les 4 ans, elle utilisait cette carte SIM-là. Et comme Christian avait déjà dit dans sa première confrontation qu'il connaissait la relation liant sa fiancée ainsi que son pasteur, on lui a demandé où est-ce qu'il avait vu, il a dit, dans la messagerie, sur WhatsApp et sur Messenger. Et comme il savait qu'aujourd'hui il y a encore confrontation, hier il est parti chez RTL. Nous étions chez RTL hier soir. On nous a confirmé que c'est lui qui a récupéré sa carte SIM. Tout ça pour nuire Eliane Bafeno. Bon, tu as mon à la Tikitoko. Moi, je suis Kitoko. Eliane a Kitoko. Elle est en marron, body marron avec un pantalon tailleur et des escarpins au boutin. Vraiment juste waouh quoi. J'aime cette fille, elle est courageuse. Donc, bon, d'ici là, hein, bon partage à cas. Restez branchés. Abonnez-vous sur ma page. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, dès que je commence les directs, automatiquement, ça vous notifie. Abonnez-vous sur ma page. Abonnez-vous, maman. Et volume est bien. Volume est bien. Namatissa. Namatissa. Allez, bisous. Donc, nakei nanga. Donc là, c'est le palais de la justice. Allez. Là, c'est le palais de la justice. Oh, le bail qu'il y a, la Kimi Mitalie. Oh, oh. Donc, bonne journée à tous. Donc, vous allez à mon gros bisou. Maman! Mosquée. Hein? Hein? Et là, j'étais trouvé une place dans la mosquée. Deux phrases, mais pas beaucoup. Si.
faire interview. Donc on va prendre un avocat, un du collectif des avocats. Il y a un peu de thème. Ma caméraman. Donc il va nous en dire un peu plus pour le moment. Parce que vous savez tous que l'église de réveil, a pris en charge ce dossier. Le pasteur Sonny Kiafuta avait demandé à ce qu'il Maître, vous n'avez pas traîné, qu'est-ce qui s'est dit finalement? En deux mots. Nous sommes venus au rendez-vous comme c'était prévu. Et nous nous remettons encore une fois à la disposition de la justice. Voilà, nous sommes confiants. Maître, par rapport à la rumeur du maître, non, à maître Eliane Bazan menacée, est-ce que c'est faux? Il y a des personnes qui disent, il y a des menaces, monsieur. L'un de nous a été même agressé, monsieur, venez dans le passé. Et alors, nous croyons qu'après, que la justice est en train de faire tout, pour rappeler tous les décans en l'ordre, nous travaillons dans la sécurité, nous ne craignons rien. Vous craignez rien, mais par rapport aussi, parce que les familles que j'ai déplorées, tu vois, dans la sécurité, tu calmes. On ne sait pas. Ils sont déjà sécurisés. Ils sont déjà sécurisés. Une réquisition a été faite à cet effet. Et la police nationale, notamment l'expression provinciale, a pris toutes les précautions nécessaires et utiles pour les sécuriser jusqu'à la fin de l'instruction et essayer pendant devant le parquet. Mais par rapport à rendez-vous à Lolo, nous allons dire qu'il fallait que le pasteur ait la présence. Je ne me souviens pas de ce rendez-vous-là. Ce n'est pas nous qui l'étions. Il faut oublier que nous ne sommes pas le parquet. C'est au parquet qui définit les devoirs qu'il y a à faire. C'est le parquet qui invite. Et ce n'est même pas à moi de répondre à la place du pasteur. S'il vous plaît, il faut nous poser les questions qu'il y a à nous. Et c'est tout. Par rapport à monsieur, il y a mis le volume, mais est-ce qu'il y a vraiment au long à monsieur? Écoutez, nous ne cherchons pas. Okay. La justice est en train de faire son travail. Soyons pas pressés, attendons voir. Merci beaucoup, mec. Donc, je vais vous montrer Eliane. Elle se porte super bien. Elle se porte super bien. Elle se porte super bien. Eliane est là. Il y a tout le pasteur jumeau de l'église de Bruxelles qui te salue. Donc elle est là, elle va bien. Donc elle est en sécurité, ne vous en faites pas. Bon, faites-moi passer. Allez-y, partez. Mais tu ne dis rien. Donc c'est ça, donc l'avocat a parlé. Donc lui, c'est un avocat, il a dit le droit. Moi, je n'ai plus rien à dire. Donc au fur et à mesure que le dossier va évoluer, nous vous en dirons un peu plus. Donc, je vous dis au revoir, partagez la vidéo, partagez. Donc, ma solo en moana, partagez. Moana Ngonde Kito, quoi, goût, elle est trop belle cette Eliane. Vraiment, cette fille, elle est très belle, elle est très forte, hein, elle a le moral avec elle. Donc, bisous.